Thank you.
Nous lisons le livre des psaumes au chapitre 20. Psaume chapitre 20. Nous disons la parole du Seigneur. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Amen. Que le nom Amen. Du Dieu de Jacob te protège. Amen. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Amen. Qu'il se souvienne Amen. De toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Amen. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen. Nous nous réjouirons de ton salut. Amen. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Amen. L'Éternel Amen. Exaucera tous tes vœux. Amen. Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, Amen. Notre Dieu. Amen. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et nous restons debout. Éternel, sauve le roi qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. 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 Le Seigneur, c'est l'éclaire, le bon chemin. Sa parole est le feu. Le Seigneur, c'est l'éclaire, le bon chemin. Respect aussi, mon bien-aimé Seigneur. Merci encore du fin fond de notre cœur pour la présence de mes frères et sœurs en ce moment aujourd'hui même. Depuis le début de réunion, Seigneur Jésus, ils sont là. C'est ton peuple à toi, frère. Ils ont sauvé notre pays, d'autres endroits, mon bien-aimé Père, pour être rassemblés en Seigneur. Ceux qui sont aussi en connexion, je vous le fais au patrissant, différents endroits, différents pays. Tu sois béni, mon bien-aimé Père. Nous sommes rassemblés parce que nous savons que tu es Dieu véritable. Nous sommes rassemblés parce que nous savons que tu es notre Dieu. Nous savons aussi que tu es le Dieu qui entend aussi nos prières. Et nos prières aussi qui exauce aussi mon Père Saint. Rendons gloire à ton nom, vraiment. C'est que nous avons la grâce à tenir encore jusqu'à ce jour, Père. Au travers des chants et des cantiques que nous chantons pour ta gloire, Père. La victoire que nous a accordée, mon bien-aimé, Père puissant, d'être à toi. Nous pouvons écouter aussi ta parole, mon bien-aimé, de la recevoir. Or, si la garder, nous sauver. Merci encore pour les enfants qui te chantent toujours, Père. Que tu les bénisses richement, mon bien-aimé Père Saint. Souviens-toi de ces enfants, mon bien-aimé Père Saint. Pour la chorale, pour nos frères qui Joseph souvent, pour notre précieux frère Christian, pour chaque bien-aimé frère et sœur, à ces lieux, Père Tibissant, pour tes habitants. Ô Dieu du ciel, ce soir encore, nous avons vraiment besoin de toi. Nous sommes venus au rendez-vous, on sera bénis parce que nous comptons sur ta grâce. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Et dans ces temps aussi sombres, mon bien-aimé Seigneur, si toi tu ne parles pas, comment pourrons-nous connaître le chemin que nous devons faire, Seigneur? C'est pourquoi nous te supplions et nous comptons sur toi parce que si toi tu dis un mot, on voit la lumière, mon bien-aimé Patrissant, parce que par ta lumière, nous voyons aussi la lumière, Seigneur. Merci vraiment pour cette grâce encore ce soir, Père. Ô Dieu, pour les chants des cantiques qui ont été chantés pour ta gloire aussi. Et chaque heure qui t'a aussi aimé encore aujourd'hui, Seigneur, qui t'a chanté avec allégresse, c'est reçu aussi. Merci pour le Saint-Esprit, pour l'onction encore, bien-aimé Patrissant, et pour ta présence glorieuse encore parmi nos pères. Merci, Père. Parce que tu as aussi pardonné encore nos péchés, nos iniquités, nos enfants. Tu as donné encore un peuple qui t'appartient, Seigneur, avec un cœur léger, Père, sanctifié par toi, mon sauveur. Nous attendons de ta part des grandes et des merveilleuses choses, Père. Béni soit ton Seigneur ce soir. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous rendons gloire à notre Dieu. Vraiment de tout notre cœur, nous nous donnons encore cette grâce de tenir jusqu'à ce jour.
dans cet homme pour pouvoir réellement persévérer. Nous aurions aimé encore avoir dans les jours à venir et aussi un élan de cœur comme ceci où nous pouvons aussi avoir des réunions pendant une semaine, pouvoir nous asseoir et écouter la parole de Dieu et avoir aussi des jours où nous pouvons le prier, l'adorer et implorer sa grâce pour que vraiment il puisse davantage prendre le contrôle de tout un chacun. C'est ce qu'il nous a dit dans la Sainte Écriture, il a dit veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force de chapper à ce qui dépend de vous. Et je pense que, comme l'Écriture le fait savoir, c'est vraiment quelque chose de très important pour un peuple qui marche avec Dieu, de pouvoir toujours savoir chercher la face du Seigneur, et non pas avec une pensée religieuse, mais certainement avec un cœur qui reconnaît vers qui il s'approche effectivement. On s'approche de son Dieu, c'est Dieu qui nous a accordé la grâce de pouvoir nous approcher lui par l'adoration aussi, parce que nous savons que si nous l'invoquons, il répondra certainement. Amen. Comme nous venons de lire, qu'il est exauce au jour de la détresse. Amen. Et c'est merveilleux de pouvoir voir que c'est là la bénédiction que nous voudrions avoir, afin que notre Dieu soit constamment avec nous et qu'il nous aide de manière à ce que nous puissions lui rendre effectivement tous les jours de notre vie pendant les temps de pèlerinage. Un culte qui soit vraiment agréable. Nous voulons être ces adorateurs parfaits, comme il est dit effectivement, de vrais adorateurs. Et c'est pour cela que nous voulons apprendre, non pas à l'adorer comme nous le pensons certainement, mais que nous puissions l'adorer comme lui, il le veut, comme lui, il l'a instauré, que nous puissions nous appliquer à cela. Nous avons souvent été rebelles, mais nous voulons que Dieu nous aide à pouvoir lui devenir aussi obéissant. Que Dieu bénisse ma bien-aimée sœur Lily. Nous remercions notre Dieu parce que nous savons qu'il travaille, qu'il œuvre effectivement pour que nous puissions arriver à pouvoir certainement atteindre la perfection. C'est cela parce que nous sommes appelés à être parfaits. Même dans ce monde où nous sommes, Dieu veut que nous soyons parfaits. C'est pourquoi nous nous appliquons à ce que ce qui est parfait vienne en nous afin que nous puissions atteindre effectivement l'objectif pour lequel notre Seigneur et notre Dieu nous a réellement appelés. Et que nous puissions être affermis davantage dans la foi. Nous voulons considérer ce que Dieu considère et réellement croire et demeurer dans ce que lui-même il nous a dit et réaliser aussi que lorsqu'il fait la promesse, il est capable de pouvoir aussi l'accomplir. Il accomplit effectivement sa promesse parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Il nous demande aussi à pouvoir être aussi comme lui. Être vraiment fidèle dans ce que nous nous sommes engagés aussi à lui par rapport avec sa parole. Je voudrais que nous puissions prendre dans les Saintes Écritures certainement les choses qui nous sont aussi importantes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1. Apocalypse au chapitre 1. Nous lirons donc à partir du verset 1. Ceci, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci donc a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu. Heureux donc celui qui lit et ceux qui entendent la parole, la prophétie, et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Amen. Encore une fois, nous voulons te dire merci, notre Père, parce que nous avons une grâce de pouvoir ta parole, que nous puissions la lire aussi, Père, et nous réjouis déjà le cœur quand nous pouvons réaliser que c'est toi qui es l'auteur de cette parole, et c'est toi aussi qui as eu à pouvoir aussi instruire Jean dans ce qu'il devait voir, et aussi mettre cela par écrit pour nous, Père, afin que nous puissions réellement connaître en vérité ce que toi tu es et ta volonté aussi, Père. Puisses-tu accorder aussi la grâce, Père, qu'en fait ce soir nous puissions entendre vraiment ta voix comme tu l'as toujours voulu, Père, que ce soit toi qui parles et pas l'homme, Père. Tu effaces l'homme, que tu accordes vraiment la grâce, Père, que tous ensemble nous puissions vraiment être à tes pieds encore aujourd'hui pour t'entendre, Père. Nous avons vraiment soif davantage de pouvoir t'entendre et surtout pouvoir entendre et aussi mettre en pratique. Dispose nos cœurs pour cela, à la grâce de Dieu, de nos Seigneurs. Nous réalisons que c'est le livre d'Apocalypse.
ce livre, effectivement, qui a fait peut-être couler beaucoup d'encre, c'est pas grave, et aussi beaucoup de prédicateurs, effectivement, depuis des années, et puis jusqu'ici, dans le temps dans lequel nous nous trouvons, et quand les gens arrivent à ce livre qui est l'Apocalypse, et c'est parfois pour les uns un livre qui est tout à fait assez difficile à pouvoir et non aussi comprendre et voir. Et nous savons, par la grâce du Seigneur, que l'Apocalypse est un livre de symboles. En fait, c'est une façon de Dieu à pouvoir parler d'une manière aussi imagée, comme vous vous souvenez, lorsque le Seigneur était là, je veux que vous compreniez pourquoi ce livre est aussi important. Si vous vous souvenez très bien, quand le Seigneur était avec ses disciples, il leur parlait, prêchait, puis bon, il a eu donc la foule qui est venue, il a commencé à parler à la foule, elle utilisait effectivement des paraboles quand il parlait aux foules. Et voilà que, après avoir parlé en paraboles, ce sont les disciples qui sont restés avec lui, et puis bon, ils regardaient, et puis ils attendaient, et puis ils regardaient, et puis tout d'un coup, ils disent, mais maître, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Vous vous souvenez? Alors il a répondu quelque chose que je crois que ça les a secoués, eux aussi, de pouvoir voir que c'est une réponse qui ne venait pas de quelqu'un d'autre, mais du Seigneur lui-même. Je pense que c'est dans le livre de Matthieu, au chapitre 13, d'où je pense que cela, juste ce livre, c'est la plus grande de l'Apocalypse. Un livre de Matthieu, au chapitre 13, je suppose que c'est cela. Matthieu, au chapitre 13, c'est cela. Matthieu 13, et nous lisons au verset 10, il dit, après avoir parlé de la parabole du semeur, vous connaissez cela. Verset 10, il dit, les disciples s'approchaient pour lui dire, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit en disant, parce que il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Alors ils ont entendu cela, effectivement, que le Seigneur dit à ses disciples que à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Ils avaient un privilège de pouvoir réaliser effectivement aux yeux de Dieu que Dieu leur avait accordé cette grâce, ce privilège de connaître les mystères du royaume des cieux et non pas les autres, effectivement, malgré qu'ils étaient quand même venu pour pouvoir effectivement écouter cet homme de Galilée, c'est Jésus de Nazareth, effectivement. Et voilà qu'il dit qu'effectivement qu'à vous, il vous a été donné, mais pas à eux. Quand nous lisons le livre d'Apocalypse, nous réalisons une chose que là, Jean l'a dit, une chose, chapitre 1, nous le retournons, à partir du verset 1 que nous avons eu après. Lire. Il dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. » Et ça, c'est en fait la teneur, effectivement, du livre de l'Apocalypse. Et ce n'est pas n'importe quel livre, en fait, il s'agit de la révélation que Dieu a donnée, effectivement, que notre Seigneur a eu à pouvoir donner, comme il dit, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ici, il s'agit de serviteurs. Les serviteurs de Dieu qui sont les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, pour lesquels. Et ceci, ces choses leur ont été envoyées destinées. Donc ces choses ne sont pas destinées à tout le monde. Alléluia. C'est pourquoi tous les prédicateurs qui peuvent arriver à pouvoir prendre le livre d'Apocalypse, ils peuvent l'étudier. Ils peuvent réellement chercher à pouvoir comprendre parce que l'être de ceci est ainsi. Mais ils ne pourront pas arriver à pouvoir réellement saisir
ce qu'il en est avec le livre d'Apocalypse. Pourquoi? Parce que cela ne leur a pas été donné. Si vous vous souvenez encore cette écriture dont je me réjouis souvent, dans Matthieu au chapitre 11, verset 28, il dit, je te loue, Seigneur, du ciel et de la terre. Amen. De ce que toi, tu l'as voulu ainsi. N'est-ce pas vrai? Amen. Ce qu'il a plu à toi de cacher ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Amen. Donc, on peut bien lire, on peut bien tourner les pages, effectivement, et avoir une certaine compréhension en soi, sans arriver, effectivement, à la compréhension exacte, à la pensée exacte de Dieu. Parce qu'il s'agit, en fait, de la révélation qui a été envoyée pour montrer aux serviteurs de Dieu les choses qui doivent arriver bientôt. Et pourquoi? Pour arriver à pouvoir comprendre ces choses, il faut que Dieu lui-même t'ait donné la grâce de pouvoir saisir ces choses. C'est merveilleux, frères et sœurs, et ça c'est glorieux de voir ce qu'il ressort dans le livre d'Apocalypse. Je vais être court, mais je voulais quand même que vous puissiez voir ça. Regardez bien. Et là, c'est Jean qui dit qu'effectivement, il a eu à voir cette expérience, effectivement, où le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu. Et lui a parlé effectivement et lui montrant, il dit, mais lui montrant effectivement des choses qui doivent certainement arriver bientôt. Et c'est passé effectivement, comme il dit, heureux donc celui qui lit et ceux qui entendent les paroles après ces livres, effectivement, et car le temps est vraiment proche. Et c'est vrai que nous sommes aussi dans le temps de la fin, que nous sommes cette génération qui a eu aussi à pouvoir voir. Figuier bourgeonner, parce qu'il a dit que cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive, et que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc nous sommes réellement cette génération ici, donc, et ce peuple, effectivement, étant dans cette génération, nous sommes un peuple que Dieu a tiré, effectivement, qui doit prendre part aux choses que Dieu doit faire. Et aussi, ce sont ceux-là, auxquels aussi que Dieu va accorder aussi la grâce de pouvoir comprendre les choses qui le concernent effectivement. Dans le livre, effectivement, nous pouvons voir une chose, ce que je pense que je vous ai dit, je suppose c'était le, je ne sais plus quel jour, mais quand j'ai pu prendre dans le livre d'Apocalypse au chapitre 10. Vous vous souvenez? Amen. J'ai lu chapitre 10 d'Apocalypse et j'ai eu à pouvoir faire un rapport en parlant effectivement du chapitre 5 d'Apocalypse en rapport avec celui qui était assis sur le trône et qui avait un livre scellé de sept sceaux. Vous vous souvenez? Amen. Alors, remarquez une chose parce que c'est quelque chose de très important puisque j'ai reçu un appel de notre frère Marcel aussi qui disait qu'il remerciait les Seigneurs parce qu'il avait un problème. Lui qui s'est posé la question de pouvoir savoir ce qu'il en était à cause effectivement des tonnerres de prédication en rapport avec les sept tonnerres, la révélation, ainsi de suite. Alors j'ai posé la question de savoir comment sont ces choses en question. Alors, et je vous ai lu dans les Saintes Écritures parce que je voudrais que les choses de Dieu soient aussi beaucoup plus claires pour que vous ne puissiez pas être agité ou soit être dans l'incertitude, effectivement, dans la pensée, la question, en fait, qu'est-ce qui se passe et qu'en est-il en réalité? Je voudrais que vous regardiez cela de très près. Quand on lit dans le livre d'Apocalypse, pour que chaque fois que vous puissiez comprendre, puisque j'ai eu à pouvoir le dire ici, j'ai dit que tous ceux qui ont cru au tonnerre, qui ont eu à pouvoir avaler ces enseignements, j'ai dit bien clairement qu'ils ne pourront jamais prendre part à l'enlèvement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Que tous ceux-là, qui sont même le croyant de tonnerre, le prédicateur de tonnerre, qui puissent comprendre que si vous avez cru à ces choses, vous les avez avalées, vous ne pourrez jamais partir dans l'enlèvement. Vous pouvez oublier l'enlèvement. Parce que si Dieu vous enlève, vous, alors il doit prendre les catholiques, les baptistes et les protestants. Sûr et certain. Pourquoi? Parce que les catholiques, ils ont leur missel, vous savez, ils ont leur façon de pouvoir voir les choses. Vous direz, mais frère Léonard,
dans l'écriture. Regardez bien une chose. D'abord, vous devez bien comprendre une chose, frères et sœurs, pour que vous compreniez que cela est vrai, que si vous avez avalé ces choses erronées, vous pouvez oublier l'enlèvement. Pourquoi? Parce que la Bible parle effectivement de l'épouse. L'épouse et l'épouse parole. Elle doit être une parole 100%. Si l'époux est la parole, l'épouse aussi est la parole 100%. Amen. Mais quand il y a des choses erronées, ça ne peut pas être la parole. La parole est la parole de Dieu 100%. Amen. Chapitre 10, verset 1. Regardez ceci. Il dit, « J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres y firent entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle, c'est qu'on dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles et qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de temps, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à serviteur le prophète. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parlait de moi, dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Amen. Quand nous lisons ces choses, nous devons réellement avoir la grâce de nous positionner effectivement dans le plan et le programme de Dieu. Ici, on voit bien que c'est un ange puissant qui descend du ciel. On le décrit très bien avec l'arc-en-ciel. Nous l'avons lu, je pense, la fois passée. Et on nous fait part d'une chose ici que je voudrais attirer votre attention, que au verset 2, il dit, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. N'est-ce pas? Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et si vous remarquez très bien, cet homme, en fait, Jean, il fait savoir effectivement que pendant qu'on lui parlait, qu'il voyait effectivement, il dit effectivement que quand il cria effectivement d'une voix forte, comme rugit un lion, et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Alors il dit ici, verset 5, il dit, « Et lorsque je voyais, écoutez très bien, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. » Prenons dans le livre de Daniel, Daniel au chapitre 12, que je voudrais que nous lisions avec vous. Daniel au chapitre 12, hein. Nous allons commencer avec vous, à partir du verset 10. En ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, les défenseurs des enfants de ton peuple. Je voudrais que vous puissiez vraiment prêter attention à ce que nous lisons. En ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, vous suivez ? Les défenseurs des enfants de ton peuple. Vous suivez bien ? Les défenseurs des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Alors quand il était adressé ainsi à Daniel, on entend très bien qu'il était adressé à lui en termes et en rapport avec son peuple. Il s'agit effectivement de son peuple, pas de l'autre. Non, on dit, mais de son peuple, effectivement. Et puis, l'Écriture est célébrée, tous ceux de ton peuple, effectivement, qui seront trouvés inscrits dans les livres, seront sauvés. Et quand on parle de son peuple, effectivement, ben, il s'agit effectivement d'Israël, de Juifs. Parce que le peuple de Daniel, effectivement, ce ne sont pas les nations. Le peuple de Daniel, effectivement, ce sont donc les Juifs. Et le verset suivant, il nous fait savoir, verset 2, il dit, «
Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et ceux qui auront été sages prieront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude prieront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc nous comprenons qu'effectivement, que quand nous lisons ceci, mon frère et ma soeur, lorsque l'Écriture parle, nous voyons effectivement dans quelle dimension effectivement les Écritures ceci nous placent. Ils ne nous placent pas dans la période du début, mais ils nous placent ici vers la fin. Parce que, regardez très bien, le verset 2 dit, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Donc ça vous montre qu'effectivement, que si nous nous projetons maintenant dans ce que l'Écriture nous montre, effectivement, nous voyons que dans les livres, je pense, d'Apocalypse, en réalité, regardez très bien, les lire avec vous, je pense, dans Apocalypse. Je pense, chapitre 20, je suppose, chapitre 20, c'est ça, oui. Après chapitre 20, nous lisons à partir du verset 11. Il dit ceci, « Puis j'ai vu un grand trône blanc, celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Verset 12 dit, « Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est les livres de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours de morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon donc ses œuvres. » Vous avez entendu ? Est-ce que vous avez compris ? Amen. Je le lis encore ici au verset 13, il dit, « La mer rendit les morts qui étaient en elle. » Bon, quand on rend la mort qui est en toi, ça veut dire qu'il sort quand même vivant, non ? Alléluia. C'est pas vrai quand même ? Amen. Parce que ici, la Bible fait comprendre que la mort et ceux des morts, les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc quand même. Parce que, remarquez très bien, frères et sœurs, quand nous regardons aussi ici, au chapitre 12 de Daniel, je voudrais votre attention. Verset 2, il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, n'est-ce pas, se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres, effectivement, pour l'opprobre, pour la honte éternelle. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc, si nous remarquons quand même que dans le chapitre 20, quand il est parti parler, effectivement, en ce qui concerne la période où Satan, le serpent ancien, donc, sera donc lié, qu'est-ce qui se passe? Je vais lire avec vous, effectivement, et verset, je vais lire à partir du verset. Il dit, mais, chapitre 20, verset 4, il dit, d'abord verset 1, il dit, mais, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma cela l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne se vit plus de nation, jusqu'à ce que le 1000 ans soit donc accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Verset 4. Et je vis les trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Écoutez bien, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. C'est donc là la première résurrection. Est-ce que vous avez compris? Donc, nous revenons dans le chapitre 12 de Daniel, verset 2. Alors, il fait comprendre, effectivement, verset 3, ceux qui auront été sages brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude
brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Après les jugements du trône blanc, vous comprenez quand même? N'est-ce pas? Parce que à ce moment-là, tout a été donc fini, puisque ceux après les jugements, ceux. C'est pour ça, quand vous entendez par exemple les gens qui vous disent qu'effectivement, que bon, nous avons vu celui-ci et qui est allé en enfer, effectivement. Vous savez, il faut que vous fassiez très attention dans ce que les gens donnent comme des témoignages, effectivement, que nous avons été en enfer, nous avons vu ceci, les temps ardents de feu, effectivement. Il y a un temps où le Seigneur, notre Dieu, fait ceci et il fait ceci, mais ne fait pas tout à la fois. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bon. Je vais être un peu bref. Regardez. Alors ici, parce que regardez très bien, il dit, mais ceux qui ont été sages brilleront comme la splendeur du ciel. Alléluia. Vous comprenez? Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Parce que après les jugements du trône blanc, qu'est-ce qui va se passer? Nous entrons dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ok. Maintenant, écoutez bien. Toi, Daniel, parce que toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Vous suivez? Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais. Prêtez attention. Hein? Et moi, Daniel, je regardais et voici, deux autres hommes s'étaient debout. L'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Vous suivez? L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin. Il dit ceci, qui s'était né aussi au-dessus des eaux du fleuve. Quand sera la fin de ces choses? Lorsque nous avons lu avec vous dans chapitre 10 d'Apocalypse, j'ai insisté en lisant les Écritures, effectivement, qu'est-ce que Jean a vu en rapport avec cet ange puissant? Regardez très bien la description qu'il nous donne. Il dit ici, chapitre 10 d'Apocalypse. Il nous donne une description en nous montrant réellement un point qui est très important. Et d'ici, regardez bien. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, celle, c'est qu'on dit les sept tonnerres, elle n'écrit pas. Et l'ange que je voyais, vous suivez? L'ange que je voyais, debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Donc il était au-dessus, n'est-ce pas? Quand on dit sur, c'est au-dessus, non? Au-dessus donc de la mer, n'est-ce pas? Ici, au chapitre 12 de Daniel, où nous étions ici, on dit que l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, regardez bien ça l'esprit, l'homme vêtu de lin, qui s'était né au-dessus des eaux du fleuve, au-dessus, n'est-ce pas? Il peut dire, mais quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin, écoutez bien, qui s'était né au-dessus des eaux du fleuve, prêtez bien attention. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche et gira par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps de temps et la moitié d'un temps et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Est-ce que vous avez entendu? Vous avez dit sur le tableau? Donc cet homme, effectivement, qui était vêtu de lin, là, qui s'est tenu au-dessus des eaux, et quand il a posé la question, on va dire, mais quand sera la fin de ces choses? Et la Bible dit effectivement que cet ange de Dieu, il leva vers les cieux. Qu'est-ce qu'il a vers les cieux, effectivement? Sa main droite et sa main gauche. N'est-ce pas vrai? Quand nous prenons dans chapitre 10 d'Apocalypse, nous voyons quelque chose de tout à fait particulier. Ce que ici, on nous fait savoir, que le verset ici, il dit, chapitre 10, le verset 2, il dit, cet ange-là, il tenait dans sa main, vous suivez, un petit livre ouvert. Et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion.
Quand il cria, les sept honneurs firent entendre leur voix. Et quand les sept honneurs y firent entendre leur voix, j'allais écrire, mais en donné du ciel une voix qui disait, celle c'est qu'on y a sept honneurs, elle n'écrit pas. Et l'ange que je voyais, écoutez bien, debout sur la mer et sur la terre, leva quoi? Sa main quoi? Sa main droite vers le ciel. Pourquoi? Parce que l'autre main tenait un livre ouvert. Mais ici, dans Daniel chapitre 12, il n'avait pas les livres ouverts. Il n'avait pas le livre avec lui. Mais c'est qui en fait cet ange en réalité dont on parle ici? Prêtez attention. Daniel au chapitre 10. Regardez. Daniel au chapitre 10. Nous lisons. Verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais donc au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Verset 5 dit, je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Vous suivez? Amen. Cet homme vêtu de lin, c'est celui qu'on a vu effectivement dans les chapitres 12. Vous suivez? Amen. Et dans les chapitres 10, je vous ai lu aussi, je vous ai montré aussi un homme, donc un ange qui descendait. Vous suivez, non? Amen. Maintenant, je reviens au chapitre 10, il dit, j'ai vu donc, il dit, il y avait un homme vêtu de lin. Écoutez bien. Ayant sur le rein une ceinture d'or du phare. Ça vous dit quelque chose? Amen. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Amen. Frère et sœur, il faut que vous écoutiez la parole. Alléluia. Ayant sur le rein, écoutez bien, une ceinture d'or du phare. Prenons chapitre 1 d'Apocalypse. Amen. Amen. Chapitre 1 d'Apocalypse. Nous lisons avec vous. Alors il me dit ici, on nous dit ici, Jean, verset 4, Jean aux sept églises qui sont donc en Asie, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de sept esprits qui sont devant son trône. De la part de Jésus, les témoins fidèles, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est par avec vous la tribulation et au royaume, et la persévérance en Jésus-Christ, donc j'étais allé de appeler à Patmos à cause de la parole de Dieu, les témoins. Je fus donc saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, je suis l'alpha et l'oméga, ce que tu vois écrit dans un livre et envoyé aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. C'est merveilleux ça. Et puis, et au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la laine, effectivement. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à l'air poli, comme avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Amen. Amen. Chapitre 10 de Daniel. Nous relisons le verset 5 qui dit, je levai donc les yeux et je regardais, voici il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur la main une ceinture d'or du phare. Vous suivez? Amen. Et son corps était comme des chrysolites. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Et ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Amen. Amen. Donc nous voyons là que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Ici dans Daniel et puis là-bas aussi dans Apocalypse. Amen. Et c'est celui-là, effectivement, mon frère et ma soeur, qui est aussi chapitre 12, effectivement, qui est, on nous a dit, effectivement, ici, et chapitre 12, verset 6, il nous dit, l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin. C'est lui qu'on a dit au chapitre 10, n'est-ce pas? Donc il s'agit maintenant du Seigneur lui-même. Et il dit, mais qui s'était né au-dessus des eaux du fleuve? Quand sera la fin de ces choses? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il s'ira. Il a juré effectivement en disant, oh, que ce sera dans un temps de temps et la moitié d'un temps. Vous suivez cela? Est-ce que vous suivez? Amen.
Pourquoi est-ce que ici nous le voyons et là-bas dans le, parce que quand vous prenez le chapitre 10, regardez très bien, la description est aussi claire, mon frère, nous montrons que sans l'ombre d'un doute, cet ange dont on parle effectivement, c'est exactement l'homme vêtu de lin. Est-ce que vous voulez vous suivre? Regardez très bien, chapitre 10 d'Apocalypse, verset 1, il dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil. Ce qu'on a entendu, non? Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, cet ange qui est ici, c'est le même qu'on a vu dans le chapitre 10. Amen. Vous l'avez vu? Amen. Vous l'avez saisi? Amen. Parce qu'on décrit ici, son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu, etc. Vous savez, non? Donc, c'est le même ange, chapitre 10 de Daniel, chapitre 12, là on l'appelle effectivement l'ange vêtu de lin, et ici au chapitre 10 d'Apocalypse, on dit un ange puissant. Et on a compris effectivement que la même description que Daniel a pu avoir au chapitre 10, c'est exactement la même description que Jean a pu avoir dans Apocalypse chapitre 1. Vous souvenez, non? Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais regardez les choses, comment elle se place, en fait. Là, dans le chapitre 10 et 12, effectivement, on l'a vu. Il avait ses deux mains levées vers le ciel. Regardez, frères et sœurs, c'est pour ça que nous devons vraiment bien saisir les choses de Dieu pour que nous puissions être sûrs et certains que nous l'adorons comme il veut que nous puissions l'adorer. Nous croyons en lui comme il veut que nous puissions croire. Pas selon ce que les hommes nous disent, mais selon ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Parce qu'il dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Autrement, mon frère et ma soeur, tu perds ton temps parmi ceux que tu penses être élus. Ils sont élus, mais toi, tu es là, mais tu n'es pas élu. Parce que l'élu doit bien saisir les choses de Dieu. Dieu te révèle les choses pour que tu comprennes, afin de prendre part. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand vous entendez la parole négligent, le penser à gauche et à droite, il y a un souci pour vous. Parce que Dieu ne peut pas s'intéresser à toi, si toi, tu ne prends pas au sérieux ce que Dieu fait. Alléluia. C'est vrai. C'est quand tu prends au sérieux, parce que la Bible dit que maudit est quiconque fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Donc si tu le fais, même si c'est l'œuvre de Dieu, mais tu le fais avec négligence, effectivement, tu es maudit. Et alors pour les choses qui concernent profondement Dieu, il faut qu'il y ait au-dedans de toi que ce qui va qui t'attire. Okay. Ça, c'est vraiment important. Mon attention est attirée. Donc, je suis et t'écoute. Donc, là, nous voyons effectivement quoi? Que là, il a levé ses deux mains vers le ciel. Pour quelle raison, mon frère? Pour quelle raison? Il n'avait rien. Mais, mon frère et ma soeur, là, nous étions effectivement quoi? Avec Daniel. Mais, dans ce que nous avons lu au chapitre 10 d'Apocalypse, avec Jean, quelle est la différence qu'il y a entre les deux? C'est qu'il veut dire que, avec Jean, il s'est passé quelque chose. Avec Daniel, cette chose n'est pas encore passée. C'était quoi? Il fallait un parent rédempteur. Parce que pendant qu'il était là, les livres étaient entre les mains du propriétaire original. Donc il n'avait pas encore accompli les sacrifices. Il n'était pas encore venu en tant qu'agneau de Dieu. Donc il ne pouvait pas avoir les livres en main. Et dans ces livres, effectivement, c'est le livre de la rédemption. Pour qu'il puisse arriver à avoir accès à ces livres, il fallait qu'il puisse d'abord prouver que lui était le rédempteur. Voilà pourquoi on a posé la question. Qui est dit? Alors on a cherché en haut dans les ciels, en bas sous la terre, et puis il est sorti. Quand il est sorti, il a maintenant pris les livres. Et c'est dans ces livres-là qu'était inscrit ton nom à toi. Alléluia! Alléluia! Parce qu'il fallait que le sacrifice soit accompli. Que toi, tu aies été racheté pour que je suis le rédempteur, j'ai payé le prix. Maintenant, j'ai le droit qu'il soit restauré. Alléluia! Là, il dit maintenant, tu peux prendre, mon frère et ma soeur. Regardez très bien pour que vous puissiez comprendre. Parce que c'est nécessaire. C'est pourquoi beaucoup de gens avalent des doctrines fausses qui ne servent à rien, mais croient que c'est de Dieu, effectivement. Parce qu'il y a un problème quelque part. Les choses de Dieu ne sont pas les choses des hommes. Regardez, frère. Si vous lisez très bien, pour que vous puissiez voir les choses, en fait, si vous lisez très bien, d'abord, vous remarquerez très bien que là, dans le chapitre 12,
Il parle effectivement du peuple de Daniel. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Quand on a lu avec vous, je relis encore effectivement ici, il dit, mais en ces temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a pas point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres, vous suivez, seront sauvés. Amen. Il parle bien, il dit, mais ceux de ton peuple qui seront inscrits dans les livres seront donc sauvés. Parce qu'il est question du livre, monsieur. Vous avez entendu? Je vais dire encore. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Donc dans ces livres-là, il y a quand même des noms qui sont inscrits. Et puis il dit, ceux de ton peuple. Parce que nous avons toujours entendu effectivement que Dieu traite avec nous en tant que nation. Mais avec Israël, il traite avec Israël en tant que la nation d'Israël. N'est-ce pas vrai? Pas en tant qu'individu, mais la nation d'Israël. Alors maintenant, on se pose la question pour savoir maintenant, alors maintenant, quand il s'agit effectivement avec Israël? Donc si Dieu se tourne vers Israël, prêtez attention s'il vous plaît. Si Dieu se tourne vers Israël, parce que nous, c'est l'individu à gauche à droite, n'est-ce pas? Mais comme on dit qu'il traite avec, en tant que nation d'Israël, donc la nation, donc ceux qui se retournent vers Israël, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, dans le chapitre de Romains, je crois au chapitre 11, je ne peux pas appeler ça, Romains, on a une chose ici, merci Seigneur, Romains chapitre 11, alléluia, verset 25, il dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans le déchiffrement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Verset 26, il dit. Vous suivez? Amen. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera effectivement de Jacob les impiétés. Vous suivez? Donc on nous dit bien, l'Écriture dit, mais tout Israël sera sauvé. N'est-ce pas? Amen. Mais ici au chapitre 12, votre attention s'il vous plaît. Est-ce que vous suivez? Amen. Daniel chapitre 12, l'Écriture nous dit, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Mais là on a lu effectivement que tout Israël sera sauvé. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire? Votre attention, s'il vous plaît, frère et soeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais la Bible répond toujours. Regardez bien ceci, je pense que dans le livre de Romains, au chapitre 9, Romains, chapitre 9, je vais lire avec vous les versets 1 dit. J'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. Vous suivez? Amen. Je prouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont donc israélites, à qui appartiennent quoi? L'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. Et de qui est issu effectivement selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Maintenant, le verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. J'aime Dieu. Hein? Amen. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Merci Seigneur. Amen. Donc, quand on parle de tout ce qui sera sauvé, ce n'est pas Israël, mais il y a un peuple d'Israël. Amen. Parce que l'Écriture est claire ici. Il dit, mais on dit, il dit, car tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, un Isaac sera nommé pour toi une postérité. Amen.
prêtez attention, c'est merveilleux, frère. Et puis il continue, mais c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont les comme la postérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, que dans Apocalypse, il nous est parlé de 144 000. Amen. Donc, c'est absolument important que nous voyons les tableaux comme il est, pour que nous comprenions effectivement, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans Apocalypse, monsieur. Afin que vous puissiez avoir l'assurance dans votre cœur que Seigneur, que cela est vraiment vrai. Là, nous voyons qu'effectivement que le Seigneur nous montre les tableaux et nous positionne effectivement à quel moment ces événements effectivement sont en train de pouvoir se dérouler. Parce qu'il a été d'une clarté extraordinaire pour que nous comprenions. Parce que je vous ai dit, l'homme vêtu de l'âme, vous avez effectivement, et dans chapitre 10, effectivement, la description est exactement la même, vous suivez? Et maintenant, il ne fait pas effectivement quelque chose que nous avons lu ici, effectivement, avec d'abord pour dire que et tous ceux, il dit, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés, parce que Alléluia. Il faut que nous comprenions que ces livres, la rédemption, est très important. Vous comprenez? Parce que c'est là que le nom ont été inscrits. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il y a le livre de vie. Il y a aussi le livre des vies de l'agneau. Amen. Vous souvenez? Amen. Vous souvenez? Amen. Dans ces deux livres, les noms sont inscrits. Amen. Vous souvenez encore? Amen. Okay. Alors, nous allons voir quelque chose. Très bien. Je veux que vous puissiez d'abord saisir cela. Ici, on nous montre le verset 4 que je saute rapidement. Il dit ceci. Toi, Daniel, regardez comment Dieu parle. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles. Et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Vous avez entendu? Amen. Jusqu'au temps de la fin. Et puis il dit, plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, j'ai regardé, voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand est-ce que ce sera effectivement la fin de ce prodige? Alors il dit, et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche et jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps de temps et la moitié d'un temps et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera brisée. Quand on parle effectivement que la force du peuple saint sera brisée, et que les saints seront vaincus, effectivement, ça n'a jamais été en rapport avec l'épouse. Amen. Non, c'est toujours en rapport avec Israël. Amen. Et quand on parle d'un temps de temps, la moitié d'un temps, ça n'a jamais été avec l'épouse des nations. Non, toujours avec Israël. Parce Amen. Qu'un temps de temps, la moitié d'un temps, vous le connaissez déjà, c'est 3 ans et demi. Est-ce que vous comprenez? Mais non, je veux que vous puissiez vraiment bien prêter attention. Regardez comment il a décrit, effectivement, et en répondant effectivement à la question qui lui avait été posée, et démontrant effectivement à qui est-ce qu'il se référait. Si nous retournons vite dans le chapitre 10 d'Apocalypse, regardez bien ça. Voilà, nous y sommes. Chapitre 10 d'Apocalypse. Alors il nous dit encore que cet ange qui est puissant, qui descend effectivement, qui était enveloppé de nuées, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme une colonne de feu. Il tenait donc dans sa main un petit livre ouvert. Vous suivez? Amen. Donc, dans sa main, il tenait maintenant un petit livre. Ces livres n'étaient pas fermés, mais ces livres étaient bien ouverts. Vous suivez? Amen. Alors, si le livre était et ce qui veut dire qu'effectivement que le nom de tous ceux qui étaient inscrits dedans, ces choses sont devenues accessibles à ceux-là, et que lui, qui est donc le parent rédempteur, a revendiqué déjà tous ceux qui étaient à lui, dont le nom était inscrit là. Parce que s'il a pris les livres, effectivement,
mais c'est pour te racheter toi, et qu'il va aussi t'appeler toi. Amen. Il dit, mes brebis entendront ma voix. Amen. Parce qu'il va t'appeler par ton nom, il dit, mais toi sors, parce que ton nom est là-dedans. Amen. Donc chaque fois que tu entends ton nom cité, tu sors. Amen. Alors, quand tu sors, effectivement, il te conduit où c'est. Et en fait, l'objectif du Seigneur, c'est qu'il te conduise effectivement où c'est, mais de pouvoir revenir à lui. C'est-à-dire où c'est? Dans son corps. Amen. Quand on rentre dans le corps du Seigneur, c'est en fait l'endroit où nous avons toujours été, monsieur. Alléluia. Parce que avant la fondation du monde, nous étions où c'est? Amen. En lui. Amen. Et nous retournons où c'est? Amen. C'est pourquoi il nous a parlé du baptême du Saint-Esprit. Amen. Pour retourner dans le lieu où nous étions. Amen. C'est pourquoi on parle effectivement de quoi? De nouvelle naissance, messieurs. Parce que tous ne peuvent pas être naître de nouveau. Amen. Seuls sont ceux qui étaient en Christ. Dès avant la fondation du monde. Amen. Et les cieux qui étaient en lui, ils doivent mettre de nouveau pour retourner à leur position originale, pour retourner effectivement dans le lieu de leur demeure. Regardez une chose, je veux que vous puissiez regarder ça. S'il tient le livre ouvert, vous avez remarqué que dans le livre de Romains, il a dit que, je crois que c'est vrai que vous disiez, parce que j'ai ici, Romains au chapitre 12, je pense que c'est ça. Regardez. Romains au chapitre 12. Romains 12. Romains 11, verset 25, il dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme ça, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, vous suivez, jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée. Vous vous souvenez, non? Alors, vous êtes ici. Donc, aussi longtemps que le dernier n'a pas encore entendu son nom pour sortir et entrer, Israël dans cet état-là, nous sommes encore sur la terre. Suivez-moi ici, regardez pas la caméra, s'il vous plaît. Donc, nous avons les responsables envers Israël. C'est-à-dire que jusqu'à ces jours, c'est pourquoi que les gens vont prêcher, j'ai pas l'hiver à gauche, à droite, effectivement. Comme j'avais entendu, je vous ai dit ici, j'étais dans un pays là, il dit, oui, j'ai été là-bas, j'ai présenté les prophètes, j'ai prêché les prophètes. J'ai dit, mais Dieu ne nous a pas appelés pour prêcher les prophètes. Amen. Amen. Dieu nous a appelés, le Seigneur nous a appelés, mais cette bonne nouvelle du royaume Amen. Doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Pour servir les témoignages, parce qu'il faut que l'élu qui est dans le coin, les plus reculés, entende l'évangile du royaume. Amen. Et qu'il puisse imaginer que Jésus-Christ, il n'est pas seulement que du temps du prophète, non. Aujourd'hui encore, il bâtit du Saint-Esprit, il va croire la parole de Dieu. Il va dire, mais le baptême est encore réel, effectivement. Parce que si on est toujours, oui, Dieu a fait. Donc c'est un Dieu qui est des temps anciens. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va encore faire? Non, il a déjà fait simplement. Monsieur, s'il a déjà fait le temps passé, ne lui fait rien seulement, il n'est pas un Dieu pour moi. Parce que s'il est Dieu, ce qu'il a fait, il doit aussi le faire aussi aujourd'hui. Amen. Donc moi, je veux ce Dieu-là qui est aussi présent. Amen. C'est ce que la bonne nouvelle du royaume annonce. Animé, jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée. Donc quand les derniers entrent, effectivement, alors... Maintenant, on dit, les libérateurs viendront de Sion. Ce qu'on a dit, effectivement, vous vous souvenez, non? Chapitre 8, et ainsi donc, et les libérateurs viendront de Sion, et il se tournera vers Israël, n'est-ce pas? Donc, mais avant cela, il ne va pas se tourner vers Israël. Il faut d'abord que les derniers puissent entrer. Si vous remarquez très bien, frères et sœurs, quand Jean a pu voir les déroulements des événements, votre attention. Qu'est-ce qu'il a pu voir? Depuis le chapitre 1, il nous décrit effectivement, il nous montre effectivement celui qui est venu pour lui donner effectivement la révélation. Et il lui parle effectivement de quoi, effectivement, il était pas d'autre chose, mais de son église, en fait, parce qu'il se préoccupe effectivement de son église et de son état. Et puis il montre effectivement que son église va passer par cette étape. Et puis il décrit effectivement, et il lui montre effectivement qui il est. Il ne t'inquiète pas, je suis vivant, j'étais mort. Donc je ne suis pas qui dit, mais je suis ce Jésus-là. Amen. Qui a marché avec toi, j'étais mort, maintenant je vis, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et maintenant regarde très bien, ce que tu vois, c'est quoi? C'est un chandelier. C'est-à-dire effectivement, c'est quoi? C'est son nom. Cette église, n'est-ce pas?
dont les sept années de vêtements. Et qu'est-ce que tu vois? Il dit, mais je vois qui ce fils de l'homme vêtement marcher où c'est? Au milieu de ce chandelier d'or. Il dit, aussi longtemps qu'il sera sur la terre, je serai toujours au milieu d'elle. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc je ne change pas. Donc je ne demeure avec vous. Et c'est vrai, frère. Si les autres n'ont pas ce Jésus de la Bible, nous, nous l'avons. Amen. Si les autres ne les voient pas effectivement agir contre cette écriture, nous, nous le vivons. Amen. Parce qu'il est toujours avec nous. Mais voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Il dit, le monde ne verra plus. Si vous avez les yeux du monde, vous avez encore du monde en vous, vous ne pouvez pas les voir. Amen. Vous êtes assis là, mais vous ne verrez pas. Il dit, mais vous me verrez. Amen. Le monde ne verra plus, mais vous me verrez. Amen. Il faut que tu le vois, mon frère. Amen. Il faut que tu le vois, ma soeur. Parce que Jésus-Christ est en action jusqu'aujourd'hui. Jusque maintenant. Amen. D'ailleurs, si toi, tu es la force de venir à cet endroit, c'est parce que lui, il te l'a poussé. Amen. Autrement, tu n'allais pas venir ici, monsieur. Il y a beaucoup d'églises à gauche, à droite, qui pèsent aux gens. Mais pourquoi tu es venu à cet endroit? Mais c'est parce que lui, il t'a poussé à venir. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Il agit encore aujourd'hui. Amen. Comme hier. Mais toi qui es assis, les problèmes, est-ce que tu vois? Est-ce que toi qui es assis, est-ce que tu l'entends? Ce que il faut que tu puisses te poser la question. Amen. C'est Jésus en question, est-ce que je le vois? Est-ce que je l'entends effectivement? Je suis toujours là, si effectivement, mais je regarde qui, j'entends qui effectivement. Tu dois arriver à pouvoir qu'il est mieux. Vous me verrez. Amen. Mais le monde ne me verra plus. Si tu es plein de monde, effectivement, avec des pensées aussi d'entendre, tu ne pourras jamais le voir. Tu vas dire, bon, mais ce monsieur écrit, ce monsieur fait des gestes, effectivement, il raconte des choses. Et c'est normal parce que tu es dans le monde. Mais quand tu es dans l'esprit, amen, alors, ce qui est spirituel, alléluia, ce qui est esprit, est esprit. Ce qui est la chair, est la chair. Donc, quand tu es de la chair, tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit. Donc, nous voyons quoi? Voyons que quand il a montré ces choses à Jean, Jean était un homme le plus heureux. Il lui a montré effectivement comment il prend soin de tout, effectivement, de sa parole. Et puis nous voyons qu'il montre effectivement la manière dont les choses vont se passer dans les églises, dans les âges des églises, effectivement, montrer tout le chapitre 3, chapitre 2, chapitre 2, chapitre 3. Vous vous souvenez, non? Amen. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On arrive maintenant au chapitre 3, à partir du chapitre verset 14, effectivement, on nous montre le dernier âge, effectivement, qui est l'âge de la Russie. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Votre attention. Vous remarquerez qu'à partir du chapitre 4, il y a quelque chose qui s'est passé. Chapitre 4, il entend la voix qui dit, monte ici. Amen. Donc, dans le chapitre 4, le pouce est... Chapitre 4 d'Apocalypse, l'épouse est partie. Amen. Regardez très bien, frère. Si l'épouse est partie, Dieu va traiter avec qui maintenant? Évidemment, mon frère, si l'épouse est partie, Dieu s'est tourné vers Israël. Donc, le chapitre 10, Dieu ne traite pas de donner traitement avec Israël. Amen. Chapitre 11, ça n'a rien à voir avec ni toi, ni moi. Ça, c'est quand le Seigneur vient vers Israël. Amen. Donc, si les tonnerres doivent gronder, si tu dois parler, effectivement, ce n'est pas pour moi. Amen. Ça ne m'intéresse pas, moi. Amen. Moi, ce n'est pas là-dedans parce que moi, je suis déjà parti. Amen. Parce que là, c'est le temps où Dieu traite avec Israël. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'Église revient au chapitre 19. Avec son Seigneur, je ne sais pas, vous vous souvenez? Amen. Au chapitre 9, l'église est bien. Mais à chapitre 4, elle est partie. Amen. Les restants, c'est avec tribulation et Israël. Amen. Alors dis-moi, mon frère, les tonnerres, ça te sert à quoi? Amen. Oui, là, madame, la mère, il avait les tonnerres, mon frère, parce qu'il n'était pas envoyé pour Israël, pour l'épouse de Christ. Amen. Donc il n'avait pas envoyé la raison de ce n'était pas son problème. Amen. Amen. Mais vous croyez tonnerre, vous croyez ceci? Oui, oh, le prophète a révélé. Si le prophète, Branham William, avait révélé cela, il serait un faux prophète. Oui, monsieur. Parce que, quel était le but de son ministère? Amen. Révéler le tonnerre? Non. Non, monsieur. C'était clair, la restauration de la parole. Amen. Donc Dieu l'a envoyé pour recevoir. Mais vos pères, non, il avait révélé le tonnerre, il avait révélé ceci.
L'homme était l'homme. Vous aussi pensez que, puisque Dieu me révèle les sauts, c'est sûr que je vais servir dans le tonneau aussi, mais il ne pouvait pas l'avoir. Dieu est un Dieu de sa parole, monsieur. Amen. Dieu demeure dans sa parole. Amen. C'est pourquoi si toi, tu as avalé le tonnerre, tu n'es pas dans la ligne de l'élection, mon frère. Non, monsieur, non, madame, tu es déjà rejeté. Si tu sors des tonnerres, c'est une grâce. Amen. Pour revenir à te nettoyer et croire à la pure parole, glorifie Dieu. Amen. Autrement, tu es assis, ou tu es dans quel pays où tu es, effectivement, tu entendras, mais tu es assis, tu as fait des choses, effectivement. Mais ce sont des choses qui vont te suivre parce que c'est ça que Satan va vraiment bien détenir parce qu'il n'y a rien de Dieu là-dedans, parce que Dieu n'a pas parlé dedans. Et si même il en a parlé, ce n'était pas pour toi. Amen. L'épouse a été attachée à sa personne. Déjà, chapitre 4, effectivement, elle est partie. Mais maintenant, le chapitre restant, monsieur, c'est pour Israël. Amen. C'est pour que vous puissiez être sûr et certain, mon frère, de ce que vous entendez. De ce que, parce que moi je me dis, de ce que les saintes écritures nous montrent. Il faut la grâce de Dieu pour que vous puissiez entrer dans les écritures et que vous puissiez réellement voir le tableau, chaque chose placée à sa place. Vous savez que ça c'est pour ceci, ça c'est pour cela. Et quand il fait comme ça, c'est pas pour ça. Parce que l'écriture dit bien une chose qui est. Quand il cria, il est rugé comme un lion. On va dire rugé, c'est pas non. Mais il ne vient pas pour nous en tant que lion à la tribu de Judas. C'est pour Israël. Nous, c'est l'anneau de Dieu. Nous, c'est le sauveur. Il ne va pas rugir pour nous, non. Nous vient en tant que l'agneau, le bout. Mais pour Israël, c'est le lion de la tribu de Judas. Il doit rugir, effectivement. C'est sur les 7 ans. Et quand il rugit, effectivement, mais les 7 tonnerres firent entendre. J'étais sur le point d'écrire, et j'ai entendu la voix qui me dit, celle se connaissait. Et il dit, bon, cela n'est pas écrit. Et moi, je vais vous prêcher. Même si on peut justifier toutes les révélations que les gens parlent, mais cela n'est pas écrit. Je vais vous révéler quoi? Je vais vous prêcher quoi? Si je dois vous parler de la révélation en rapport avec le baptême, je vais vous le prouver. Amen. Et Dieu nous a révélé que le vrai baptême, ce n'est pas le Père, Fils et Saint-Esprit. Non. Quelqu'un qui est baptisé au titre de Père, Fils et Saint-Esprit, effectivement, il n'est pas baptisé sur la parole de Dieu. Amen. La révélation, c'est que nous sommes appelés à être baptisés au nom du Seigneur et Sauveur de Jésus. Ça, c'est la révélation. Mais mon frère, elle est où? Elle est où cette révélation? Dans ta tête? Non. Mais c'est dans la Bible, monsieur. Amen. Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom. C'est Pierre qui l'a dit, monsieur. L'homme qui a reçu les clés du royaume. Donc, ce n'est pas inventé. Mais Dieu rafraîchit la parole. Amen. Il dit, mais voici la chose. C'est ça la révélation. Pas que je dors, je me lève, effectivement, je commence à raconter des choses. Non, 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 monsieur. Les tonnerres ont dit, mais qu'est-ce qui... Dieu a dit, celle ce qu'on dit. Et n'écrit même pas. Comment veux-tu manger ça? Oh, mais vous savez, il ne faut pas écouter ces balivins là. Oh, le prophète était au-dessus de tout. Non, monsieur, il n'y a qu'un qui est au-dessus de tout. Amen. C'est Jésus, le Christ, monsieur. C'est ça pour son vrai. Amen. Oh, il pouvait aller entrer. Non, monsieur. Il y avait une dimension limite, effectivement, pour ce qu'il devait faire, pas aller au-delà. Non. Merci à ce que Dieu a dit, c'est tout. Amen. Nous devons, frères et sœurs, revenir à ce qui est vrai. Amen. Pour que nous puissions réellement porter cette robe, c'est vrai. Amen. C'est sûr et certain. Parce que comment veux-tu que Dieu puisse te donner ce qui est important à ses yeux si toi-même, déjà en dedans de toi, tu ne prends pas en considération ce que Dieu va dire. C'est comme quand on parle de la vie éternelle. Qu'est-ce que toi tu vas faire pour avoir la vie? Regardez la religion, je termine. Regardez la religion. Dans la religion, il faut se flageller, il faut dormir toute la chambre à l'air, il faut faire ceci, faire ceci, quoi, pour pouvoir dire qu'on va avoir la vie éternelle. Il doit faire beaucoup de gymnastique, beaucoup de ceci, et puis beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Mais c'est gratuitement que tu es sauvé. Alléluia! C'est tellement si simple, monsieur, mais difficile à prendre. C'est la vérité. Hey,
tu as assis là, ma soeur. Est-ce que vraiment, écoutez, frère, tu as assis. Est-ce que vraiment, au fin fond de toi, tu crois vraiment que tu as la vie éternelle? Et pourtant, Dieu te l'a donné, mais tu as difficile de croire que moi ici, je suis éternel. Et pourtant, nous le sommes. Alléluia! Il a donné cela. Il a payé le prix. Pas parce que je le méritais. Non! Par la grâce, monsieur! Et aujourd'hui, je le reçois parce qu'il y a la foi de croire que Jésus-Christ est mort pour moi et que quand je crois en lui, je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. C'est simple, c'est gratuit, mais pas facile à croire. Et pourtant, frère, ça se trouve là, monsieur. Vous jouez beaucoup avec les choses de Dieu. L'évangile n'est pas joué avec, frère. C'est tellement si précieux. Quand vous battez la poitrine, moi, oh, mais je connais. Vous ne connaissez rien. Je connais Dieu, vous ne connaissez même pas Dieu. Parce que si vous connaissez Dieu, votre attitude dans la parole de Dieu serait différente. Amen. Ah, mais c'est sûr et certain. Qu'est-ce qui nous fait que le Saint-Esprit descend et nous fait des grandes choses à ses frères? Mais à cause des doctrines, des enseignements que vous avez entendus. Oh, là-bas, on nous avait dit. C'est pour ça que Dieu veut vous nettoyer. Amen. Que tout ce que vous avez reçu, videz-vous. Que Dieu vous remplisse. Et s'il vous remplit, vous verrez ce qu'il va faire. Amen. Ce qui fait obstacle, effectivement, sur vous-même. Jamais Dieu. Non. Jamais Dieu. C'est sûr et certain. Si seulement nous pouvons. Allez, comme. Attendons. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Elles ne sont jamais compliquées. Elles sont toujours simples. Amen. Alléluia. Vous savez qu'il dit, il y a le faible d'esprit. Vous connaissez cela? Amen. Je crois que c'est Matthieu, ça peut être ça. Non, je vais vous montrer ce qu'il y a lui-même. Je crois que c'est Matthieu au chapitre 5. Voilà, chapitre 5, verset 1. Et voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il fut à ses disciples approchés de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux le pauvre en esprit. Car quoi? Vous savez, quand on dit pauvre en esprit ou faible en esprit, vous savez comment ils appellent le monde ici? Des imbéciles. Non, mais c'est vrai. Un imbécile est celui qu'on appelle faible d'esprit. Mais oui, quand on dit espèce de. Vous connaissez, non? Alors, c'est ça, c'est ça, c'est là. Et Dieu dit, mais heureux ces gens-là. Alléluia! Ah oui, parce qu'ils ne se sont pas tarés. Ils disent, moi je suis, moi je connais. Non. Moi, tu me prends pour un imbécile, il n'y a pas de problème. J'accepte d'être imbécile, mais parce que Dieu me l'a nettoyé. Parce qu'avant, j'ai tombé la poitrine, je croyais que j'étais quelqu'un. Attends, quand tu es orgueilleux, tu dis, mais je suis le seul, c'est parce que tu penses que toi, tu es meilleur que l'autre, effectivement. Mais l'autre qui est en face de toi, lui, tu dis, mais moi je suis meilleur que lui. Donc, moi je pense, bon, lui il pense qu'il est meilleur que toi, toi tu penses que tu es meilleur que lui. Alors qui est meilleur? Amen. Ce n'est que dans votre tête. Alors quand Dieu te lave le sang, tu dis, mais Seigneur, en quoi je serai supérieur ou meilleur que lui? Et tu as fait de moi ce que je suis, c'est ta grâce à toi. On dit, moi, imbécile, il n'y a pas de problème. Mais puisque j'essaie d'être comme tu penses, effectivement. Amen. Tu as fait des études, tu as des diplômes et tu te laisses aller avec ces gens-là, diplôme à Dieu. Amen. Les diplômes, c'est un papier qu'on a mis le pourcentage. Amen. Mais ce n'est pas ce qui a fait de moi ce que je suis. Amen. Si je vis aujourd'hui, c'est parce que lui, il a fait de moi ça. Frères et sœurs, Dieu nous accorde la grâce de voir les choses de la bonne manière. Amen. Pour que nous puissions apprécier effectivement ce que Dieu est et ce que Dieu. Parce que. Quand tu es rempli de toi-même, Dieu ne peut absolument rien faire de toi. Frère, tu peux. Vous savez, nous l'avons lu avec vous dans l'Hébreux chapitre 6, effectivement, quoi? Quand la pétanque, soit l'Hébreux est utile, n'est-ce pas? Vous savez pour quel est utile, n'est-ce pas? Ou soit pour les quoi? Des chardons, des épines et des roses. Mais c'est la même pluie qui descend. Vous avez remarqué? La pluie ne change pas la nature de la semence. Amen. Non, monsieur. Non, messieurs, vous pouvez dire, gloire à Dieu. Quelle semence y a-t-il?
S'il vous plaît, c'est tellement si important. Le ciel, c'est un endroit de paradis. Amen. Vous allez rester sur la terre faire quoi, monsieur? Oh, moi, je suis, je ne mets pas les pantalons de 140 000 euros, je ne sais pas, moi, je ne sais pas, parce que quand je passe, on doit voir le crocodile qui passe à l'église. Ça ne sert à pas, tu veux porter des crocodiles, même tous les serpents du monde. On te l'amène ici, mêlé aux pieds. On va te fouiller ici, pas tu mets les serpents, mais le problème. C'est vrai. Il me faut les crocos, il me faut les caïmans. Frère, imaginez, on a attrapé un gros caïman, tu rentres des larmes, là, tu viens à l'assemblée avec. Mais qu'est-ce qui va rester ici? On te voit avec la queue de caïman. Parce que tu veux habiller les caïmans. Parce que ne m'amène pas, parce que tu veux être différent, n'est-ce pas? Avant le coco, non. Alors ne m'amène pas les vêtements coco, mais prends-moi le coco vrai. Rentre dedans dans ce coco vrai. Viens t'asseoir ici avec nous. Et Charles, on voit bien, hein, ta gueule, on voit, tu es dedans. On dit, mais c'est frère, il est vraiment la peau de crocodile sur lui. Là, on est sûr que tu as bien coco, c'est comment? C'est simplement pour dire que tout est validé. Amen. Ne vous tuez pas pour les choses unies. Remerciez Dieu de ce qu'il a fait de vous ce que vous êtes. Amen. Et surtout au niveau de la connaissance, effectivement, c'est un temps où il faut faire très attention. Quand on devient orgueilleux en disant « Moi, je connais, moi, ceci, cette connaissance-là qui enfle, ne peut pas venir de Dieu. » Que ce soit les choses que tu connais, c'est ce que tu connais de moi, parce que moi, je connais, parce que moi, je pense. Et on nous a dit, eh bien, quand tu as ça comme ça en toi, mon frère, ma soeur, tu peux chanter, tu peux monter même sur la chaise. Dieu viendra, tu vas rester. Vous savez, dans les livres d'Ézéchiel, je vais vous dire cela. Vous pouvez voir effectivement comment et Dieu est. Ézéchiel, je pense. Puis nous allons prier ensemble avec Ézéchiel. Je rentre sur le chapitre 6, je suis toujours ça. Adressé en ce mot. Vous voyez, Ézéchiel 28. Verset 1, je lis. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Verset 2. Fils de l'homme, vous suivez? Dis au prince de Tyr. Donc, prince de Tyr, c'est bien. Non. Il dit, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein de l'air. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, vous suivez, frère. J'ai lu encore le verset précédent, mais toi, tu es homme et non Dieu. Donc en fait, on comprend qu'il s'adresse à un homme. Vous suivez cela? Amen. Maintenant, regardez le verset suivant. Verset 3 dit, voici, tu es plus sage que Daniel. Vous voyez comment Daniel fait ça? Parce qu'ici, on le rappelle encore. C'est Dieu qui dit, hein? Voici, tu es plus sage que Daniel. Écoutez bien. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Vous avez entendu? Je continue. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as acquis tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'était. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers les plus violents d'entre le peuple. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront la beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent. Percé du coup. Vous me suivez? Au milieu où c'est demeure, en face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu? Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Écoutez encore. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme,
prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Tu mettais les choses à la perfection. Et cet homme-là était monté au ciel. Écoutez bien, parce qu'ici on parle bien du roi de Tyr. Hein. Maintenant, il lui dit, mais écoutez bien. Tu mettais les choses à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de tourites, de nixes, de jaspe, de saphirs, de scaboucs, de merotes et de l'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus crié. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il parlait au roi des tirs, non? Qu'est-ce que vous devez voir là? En fait, Satan était dans le roi des tirs. Quand l'orgueil monte, moi, on me dit, j'ai fait. Oui, il dit, mais il parlait d'abord, parce que l'homme parlait de celui-là. Non, Dieu parlait à celui qui était dans l'homme. Amen. Donc, quand l'orgueil monte en toi, tu fais dans ce. Il dit, écoutez bien, il dit, mais tu mettais les choses à la tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées, tu t'avais placé, tu étais sur l'ancêtre montagne de Dieu, tu marchais au milieu de pierre et de silence. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus crié, jusqu'à celui où l'iniquité a été prouvée chez toi. Ah, la donnée de ton commerce, tu as rempli de violence et tu as péché. Tu es précipité dans la montagne de Dieu, je t'ai fait disparaître avec chérubin protecteur de milieu de pierres excellentes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as compris ta sagesse et par ton éclat, je te jette par terre, ainsi. Pourquoi es-tu devenu comme ça, j'étais par terre? Parce qu'il a volé. Pour quelle raison? Ah oui. C'est ça. Quand vous, je ne peux plus écouter ça, parce que moi, on m'a déjà dit comme ça, je ne peux plus écouter ça. C'était quand l'orgueil là. En fait, quand quelque chose de cela comme nature monte en toi, qui fait de toi déjà ta chair, en toi, tu suis assis, tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait parmi ces gens, même si tu étais, tu dois être une sœur qui était des salons du ciel, ce n'est plus Dieu dedans, c'est les démons. Parce qu'aussi longtemps que Dieu est en toi, et que la parole de Dieu est en toi, ce qui va dominer sur toi, c'est vraiment une humilité propre. Amen. Jamais tu pourras avoir en fait une pensée d'orgueil contre quelqu'un. Amen. Même si tu connaissais, ou que tu te connaissais. Donc, plus tu connais davantage, plus tu t'humilies. Amen. Amen. Mais si ton cœur est toujours un cœur rempli d'orgueil de ce que moi je connais, tu ne connais rien. C'est celui qui ne connaît rien. Que Dieu va prendre plaisir à voir. Amen. Regardez s'il vous plaît. Quand Daniel est venu devant le roi, on a consulté tous les magiciens, tout cela, aucun Dieu n'est arrivé. Daniel a dit, va dire au roi. Et il aura la réponse à son problème. Il est allé devant le trône de l'institut, prié, jeûné, il est venu. Quand Daniel s'est tenu devant le roi, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tous les autres là sont de rien. Moi, Daniel, je vais te prouver que j'ai un Dieu vivant, et que je suis un des grands serviteurs de Dieu. J'ai l'esprit. Non, monsieur, j'aime cet homme. Amen. Il dit, ce n'est pas que j'ai en moi un esprit supérieur. Amen. Vous connaissez cela? Amen. On le dit, hein? Amen. On le dit et puis on prie ça. Oui. Battez-vous la poitrine. Vous pouvez entendre la parole, mais vous jugerez et vous condamnera. Jour du jugement, vous ne trouverez pas du fuite pour vous échapper. Daniel au chapitre 2, je pense aussi. Daniel au chapitre 2. Alors il dit, voilà. Chapitre 2. Chapitre 2, Daniel dit. Verset 19, il dit, Daniel 2, verset 19, alors le secret, vous connaissez la mort de suite d'avant, non? Donc vous connaissez avant comment je suis repassé. Vous connaissez? Amen. Parce que j'ai toujours eu à pouvoir dire, frère, quand vous connaissez, dites amen tous. Amen. Parce que, est-ce que vous connaissez? Amen. Qui ne connaît pas? Qui ne connaît? Non, si tu ne connais pas, lève la main, il ne faut pas avoir honte. Voilà, il y en a Dieu, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Mais voilà, eh bien, nous allons recommencer. Non, c'est le roi. Chapitre 2, de verset 1. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar eut de son. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les cadéens pour qu'ils lui disent ce son. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit,
J'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne faites pas connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites effectivement en un état d'immondice. Mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi les songes et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois, que le roi dise les songes à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître les songes, la même sentence vous enveloppera tous. Voulez-vous vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés? C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais un roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est vraiment difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'est éteint violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée et les sages allaient être mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Dieu. Voyez-vous, avec une, Dieu, vous savez que jamais un fils de Dieu ne fait de l'arrogance ou de la prétention. C'est pour ça. Il faut que vous vous contrôliez, je dis comme les sœurs, les frères, vous vous contrôlez à votre façon de pouvoir parler. Quand il y a l'arrogance, vous voyez, par exemple, vous les sœurs, dire, tout ça, ça, en fait, ça te montre qu'il y a un esprit mauvais en toi. Vous ne pouvez plus avoir ce genre de réaction à la voix de Dieu. Parce que les gens disent, ça blesse quelqu'un. C'est en fait un mépris, un rejet. Comment toi, une fille de Dieu, nettoyée par Dieu, tu peux encore avoir en fait, des gens de réaction de païens? Parce que non, Dieu doit te nettoyer et toutes ces choses-là, ça ne peut plus être à toi. C'est une attitude de sainte, effectivement, où le Saint-Esprit agit en toi. Amen. Donc là, il s'est approché, effectivement, avec prudence, avec vous voyez, sagesse, mais non, avec beaucoup de simplicité. Il dit, chef des gardes du roi, qui était donc sorti pour mettre à mort le Saint-Babylone, il dit, il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjok exposa donc la chose à Daniel. Verset 15, pardon. Arjok exposa donc la chose à Daniel. Et Daniel s'est rendu vers le roi et les pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, et les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes de Babylone. Vous avez entendu, non? Anania, Azarias, Anania, Michaël, Azarias, ce sont les méchants qui avaient des négociations. Vous connaissez, non? Non, et là, verset 19. Alors, les secrets donc furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité à l'éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue. Ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Quelle grâce. Quelle grâce qu'il avait de pouvoir aller devant Dieu, prier, implorer la grâce, et que Dieu vienne lui révéler et les secrets. Et j'aime. Allez, après cela, Daniel s'est rendu auprès d'Arjok, à qui le roi avait ordonné de faire périr le saint de Babylone, et il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Arjok conduisit donc promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi.
J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, vous comprenez maintenant? C'était donc le nom de son Dieu. Le Dieu de Babylone. Hein? Il dit, es-tu capable de me faire connaître les sources que j'ai eues et son explication? Et pourtant, tous les magiciens que je connais, tous les démons que je connais, que j'ai consultés, personne ne le connaissait. Parce qu'on m'a dit que seul le Dieu. Et c'était vrai. Amen. Car nous sommes des dieux. Amen. Alors il dit, verset 26, le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu capable de me faire connaître les choses que j'ai eues et son explication? Je lui dis, mais oui, bien sûr, au roi. Moi, je suis capable. Comme je suis venu devant toi, c'est pour te dire que moi, je connais Dieu. Est-ce que vous comprenez? Regardez la réaction d'un véritable fils de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, l'humilité fait partie de ta vie. Ta façon de parler a changé. Tu n'es pas arrogant envers un frère ou une sœur ou c'est le fondement de ta tête. Non, 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 frère, ces choses-là ne sont pas en toi. Parce que si cela est en toi, tu as une humilité, fausse cachée, enfin une fausse humilité, c'est que tu joues un rôle, tu fais double, ça ne sert à rien. Parce que la vraie humilité, elle se trouve. Regardez ici. Alors il dit, Daniel répondit, en présence du roi, il dit, ce que le roi demande est un secret. Que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Donc il sauve la tête des autres. Ah oui, parce qu'il dit, mais il sauve la tête, parce que déjà, c'est pourquoi vous devez aimer même vos ennemis. Amen. Déjà, cette façon de parler, effectivement, avec autant, c'est pour aussi adoucir le cœur du roi. Qui était fâché qu'on doit tuer les astronautes de la terre, effectivement. Mais lui, il ne regarde pas comme des démons, mais comme des hommes qui sont séduits par les démons. Vous comprenez? Donc il vient là, il dit, mais au roi, ce que le roi demande, et même les devins, ils ne peuvent pas le connaître. Et là, écoutez bien, il dit, mais j'aime ça. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Alléluia. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, au roi, il t'est monté des pensées touchantes, ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître effectivement ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé. Amen. Amen. Ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Pourtant, il appelle la sagesse au-dessus. Oui, monsieur. En fait, c'est pour ça que nous comprenons. Celui qui est grand subit toujours. La grandeur subit. Et celui qui n'a rien, c'est toujours, moi je veux, moi j'ai toujours, le fauteuil de tout, c'est lui. Il faut qu'on me voie, il faut qu'on fasse moins de rien. Ouais. Mais celui qui a quelque chose, il ne parle même pas beaucoup. Hein. Amen. Toujours doux là, calme là, vous voyez, effectivement. Il ne cherche pas de problème. C'est comme s'il n'était pas là, mais il est là. Amen. Et Dieu, c'est par lui que Dieu travaille. Amen. Il n'avait ni beauté, ni glace, ni le regard. Il avait des grands temples, mais il n'avait pas la voix pour dormir. Et c'était lui, le soldat. Vous vous souvenez? Donc, nous réalisons qu'effectivement, que nous devons faire très attention à la manière dont nous recevons et comment nous réagissons et comment aussi nous avons aussi notre attitude, effectivement, envers des frères et des sœurs, effectivement, qui sont autour de nous, effectivement, et puis l'orgueil de dire que je connais. Si vous voulez aussi, prenez aussi un Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes, je connaîtrai tous les mystères, effectivement, si je n'ai pas cet amour-là, cette humilité-là, ça ne sert à rien. Notre Père Céleste, nous sommes à ton école, mon frère. Nous voulons vraiment apprendre à Dieu, le Seigneur. Tu nous as donné la grâce de pouvoir te connaître pour publier l'évangile du royaume. Pour que le peuple à toi, tu aies été vraiment prisonnier. Oh Dieu, par les démons, personnes qui ont eu à pouvoir immenser, s'infiltrer dans ce que tu as donné comme parole. Ce temps du soir, on est les personnes pour prêcher, les enlever, pour prêcher les choses erronées, pour regarder le peuple de Dieu, pour venir les personnes. Que tu lui en donnes encore nous aider, pour venir par tous en fait, mais ta parole à toi, soit pour prêcher. Aujourd'hui, on va les mains et on va les mains, Seigneur, je veux.
le dernier puisse rentrer, puisse entendre la parole de Dieu de traduisante et sentir vraiment aussi des Seigneur, que le Père et bien, est-ce que le Seigneur a attendu mon bien de traduisant afin que l'Israël ait compris que mon papa doit être puissant. Maman, par Dieu, c'est pour ceux qu'ils ont précédé avant d'effectivement que nous puissions arriver à atteindre la perfection. Parce que c'est en fait que aussi mon bien de sang puisse arriver à prendre le temps aussi à ce que toi tu as promis. C'est vrai, ils attendent de toi et de ces jours-là pour pouvoir dire au Père parce que. On est dit quand la trompette sonnera, le mort de Christ. Oh, Dieu, il a l'avantage de venir être puissant et très conscient, Père. Ne pas jouer, ne pas laisser ce cœur, le faux Dieu. Apporter les hommes, faire les signes, tous les saluts possibles pour moi. Nous, simplement que toi, les bienheureux, encore, c'est le mot. T'as seulement ce pur, on vient de mettre puissant.